balobi mama mardi ne mama mardi ne balobi shop Africa Union mais quand t'es un nyoso biloko ya ya wali yo kongole oni ginde kola yo a sali sa yote bona kolia na yo moko babonde la yo bona nzoto na yo babo ya ele poko babonde la yo balobi bio Bio Africa Union et toi t'es tout à coup on a pas chinois sinon on est pas ya sinon on est ali Ne colère pas de ça, parce que c'est un logo yambo, ya fresh, ya bio, bio na bio, bio na bio, si on a mangé le poulet mon canja isali, par obi njomo yali, en Cuba paniwa, par obi njenge isali, ya komba kanga ya shembo to yambi sela, par obi niyamba ya bosu ya boko boso isaga ne, kala ngando ne kala ni na basi, oye tuke na sutu, isako dia na peti, kwa mama mande. Pour pas comprendre le thème, pas comme où allons-nous? Où allons-nous? Pour la Coriana, puis nous m'envoie, pas pour les radios, Coriana, appétit! Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver. Face à face, un nouveau numéro, c'est vrai, vous attendez certainement l'actualité, qu'est-ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, non, mais je vous parlerai plutôt de ce qui se passe dans nos marchés, ce qui se passe dans nos poches, ce qui se passe dans notre vie de tous les jours, comment on fait pour être bien, est-ce que ça dépend de nos origines, est-ce que ça dépend de l'appui que nous avons dans la vie, ou ça dépend d'abord de nos propres ressources intérieures. Et là, je reçois M. Dey Muller, qui est Congolais, né à Kinshasa, ici, à Njili, d'ailleurs, est allé en France à l'âge de 8 ans. Mais quand il arrive, il croit en une seule chose qu'il pouvait réussir. Il a eu la volonté de faire quelque chose. Et il a entrepris près de 6 entreprises qui représentent aujourd'hui un chiffre d'affaires d'un million et 2 millions de dollars. Il a une école ici même, à Kinshasa, dans la banlieue d'ailleurs. Il faut rappeler que c'est à Biboua, une école qui reçoit plus de 300 élèves gratuitement. Et il est à la tête d'une campagne qui prévoit pour donner des ordinateurs gratuitement aux enfants. Donc, un entrepreneur, un opérateur économique, on parlera de ça avec lui, mais aussi des questions politiques, parce que qui dit politique dit affaires. Quand on n'a pas une bonne politique, qu'il n'y a pas une politique d'affaires, eh bien, les gens ne seront pas là. Monsieur Muller, comment allez-vous? Merci. Bonjour. Comment allez-vous, monsieur? Je ne me plains pas. Je rappelle que vous êtes opérateur économique et vous avez pour allié principal votre femme. Tout à fait. Donc, je pense que pour être bien armé, bien sûr de ce qu'on fait, il n'y a pas mieux que d'être accompagné de sa moitié. Mais il faut aussi que cette moitié-là ait les compétences nécessaires. Donc, ma femme, Julie Day, elle est aussi licenciée en France. Donc, elle est partie à l'âge de 1 an. Donc, elle aussi est native d'Njili aussi. Exactement. Donc, les enfants d'Njili se sont retrouvés. Et se sont mariés. Et se sont mariés. Ils font des affaires ensemble. Et ils font des affaires ensemble. Ils embauchent même des Njilois au sein des différentes entreprises. Ouais. Donc, les choses se passent plutôt bien. Comment ça s'est passé, votre intégration en France? Comment ça s'est passé? J'ai cette anecdote-là parce que quand je suis arrivé en France... j'habitais à peu près à 100 km de Paris. La première fois, je vais à l'école, on me dit, ben, monsieur, bon, jeune homme, hein, parce qu'à l'époque, je pense que j'avais à peine 8-9 ans, on me fait passer au tableau, on me sort un peu la carte du monde, on me dit, monsieur, merci de me montrer où se trouve le Congo. Vous savez, quand vous ne maîtrisez pas, à cette époque-là, ben, les études, ce n'était pas encore au top. Là, c'est juste pour souligner, au fait, les lacunes qu'il pouvait y avoir dans nos formations de base. Quand vous n'avez pas la possibilité d'aller dans les bonnes écoles ou les écoles elles sont payantes, ou d'entrée vous parlez français, ou d'entrée vraiment c'est bien structuré, ben je me suis retrouvé à apprendre la langue française en allant directement sur Paris. Donc on me pose la question, je n'ai pas su au fait montrer où se trouvait réellement le Congo par rapport à la carte. Donc c'est quelque chose qui m'avait marqué au fait, et je m'étais promis que ben, plus tard, je serai celui qui arrivera à parler correctement le français et à corriger même les français. Les deux, trois premières années, c'était compliqué parce que ben, vous vous retrouvez, vous êtes le seul noir parmi les blancs. Et vous savez, à cet âge-là, c'est vraiment difficile parce que ben,
On se moque un peu, ça taquine. Vous vous cherchez, en fait. Exactement. Donc, vous parlez le français un peu à l'envers, donc on ne vous comprend pas très bien. Quand le professeur, je me rappelle juste qu'aujourd'hui, j'ai mes notes, quand je lui donnais, quand on faisait les dictées, et le professeur, tellement qu'il y avait des fautes d'orthographe, il mettait juste « vu ». Parce qu'au-delà de 20, on sait pertinemment qu'on a zéro. Ouais. Donc, il mettrait « vu » pour ne pas vous décourager. Il ne mettait pas 40 fautes ou 50 fautes. Et ça ne m'a jamais découragé. J'avais vraiment un objectif. Je me suis toujours dit, dans ma tête, j'ai toujours cette phrase-là, je ne suis pas venu accompagner les autres. Ouais. Je dois, moi, faire ma part. Peu importe d'où je viens, peu importe la situation financière de la famille, ouais. J'ai toujours eu cette volonté-là d'aller de l'avant, en fait. Et vous avez fait les comptabilités. Tout à fait. Donc, après les comptabilités, qu'est-ce qui se passe? La comptabilité, j'ai validé, parce que nous, en France, on appelle ça master. Vous, c'est équivalent de la licence ici, c'est Bac plus 5, donc en gestion, finance et comptabilité. C'est un diplôme qui est assez vraiment costaud, parce qu'on aborde plusieurs matières, tout ce qui est économie, droit social, droit des sociétés, la finance, la comptabilité. Après ça, on doit faire 3 ans de stage. C'est considéré comme les médecins internes. Vous savez, quand vous validez votre licence ici au Congo, vous avez l'obligation de faire 3 ans en activité directement. Donc, quand on aspire à devenir expert comptable et commissaire au compte, parce que c'est un double cursus, vous avez l'obligation de pratiquer minimum pendant 3 ans. Une fois que vous finissez ce 3 ans-là, et c'est là que vous devenez docteur, entre parenthèses, en finance et comptabilité. Donc, j'ai finalisé, moi, mes 3 ans. Une fois que ça s'est fait, vous avez l'obligation de passer 2 matières écrites plus écrire un mémoire qui va apporter un plus dans la profession en tant qu'expert comptable en France. Est-ce que c'est difficile la comptabilité? La comptabilité, c'est pas... Au fait, moi, je me mets jamais de barrière en dire tel élément est difficile. Il y a déjà des prédispositions que vous êtes censé avoir. Donc, 1, prédisposition et 2, la volonté. Vous voyez, si vous vous levez le matin, vous dites que moi, j'ai envie de devenir avocat, j'ai envie de devenir expert comptable. Si vous mettez le sérieux et vous consacrez le temps nécessaire, pour ma part, il n'y a pas de souci. Alors, à partir de quel moment vous ouvrez votre première entreprise et comment ça se passe? Première entreprise, c'est le cabinet d'expertise comptable. Actuellement, je suis juste en phase de finir ce doctorat-là. Il me manque le mémoire à préparer. Tellement que j'ai des occupations, il faut que je prenne le temps. Ça nécessite à peu près 1600 heures de travail pour pouvoir pondre ce document-là et pouvoir le présenter devant le jury. Donc, on a quand même décidé avec mon très cher ami avec qui on était à l'école depuis plus de 10 ans, parce que j'avais déjà cette optique-là en me disant, moi, je veux travailler pour personne, je veux absolument créer mes propres business. Donc, j'avais incité mon ami, M. Laurent Bailly. Donc, c'est quelqu'un avec qui j'ai partagé... Il est blanc ou il est... Il est blanc. Ah, d'accord. Parce que moi, j'ai eu ce parcours-là. J'ai failli être un footballeur professionnel. D'où Müller. Müller, c'est mon prénom. D'accord. Donc, c'est Gerd Müller. Mon père aimait tellement le foot. Il a pris le nom de famille de Gerd Müller. Il m'a donné ça comme au prénom. Donc, j'ai eu à faire du football à haut niveau. J'étais au centre de formation de Lille. Dans le nord. Ah d'accord. Voilà, donc gaucher. Non, c'est pied, il ne faut pas... Non, il ne faut pas blaguer avec. Il faut pas blaguer avec. Voilà, je peux rivaliser avec M. Fayoul quand il s'est mis un peu à jour. Ah, c'est vrai. Oui, je peux rivaliser. Okay. Donc, j'ai fait 3 ans au centre de formation à Lille. Donc, j'étais aussi parmi... quand vous êtes dans ce centre-là, au nord de la France, il n'y a pas beaucoup d'étrangers. Donc, j'ai vraiment toujours vécu un peu dans le milieu où, comme on dit à Lingala, où il y a beaucoup de Mindélé, au fait. Donc, c'était mon quotidien. Et ta première entreprise, elle choue tout de suite ou elle marche rapidement? La première entreprise, on a commencé vraiment ex nihilo, c'est-à-dire avec rien. Le cabinet, on l'a démarré dans mon salon. Oui. On avait un ordinateur. Oui. La comptabilité, ça nécessite simplement un ordinateur, un logiciel de comptabilité. Donc, moi et mon associé, M. Laurent Bailly, on a démarré dans mon salon et on avait 2-3 clients. Aujourd'hui, on a à peu près 380 clients et le cabinet d'expertise, gestile expertise audit, pèse à peu près 1,6 million d'euros. Rien que le cabinet, en dehors des autres entreprises qu'on a eu à créer après. Mais ça a commencé petit à petit, ça a demandé des sacrifices. Ça a commencé au salon. Une fois qu'on a vu que ça commençait à prendre, j'avais des rendez-vous souvent dans les cafés avec nos clients parce qu'on n'avait pas de lieu pour accueillir ces clients-là. Au fur et à mesure, les choses ont commencé à s'améliorer. On a pris un 20 mètres carrés
un 20 mètres carrés de bureau, et au fur et à mesure, ça montait 20 mètres, on est passé à 60, 60, 133, et actuellement, on a acquis 400 mètres carrés de bureau, près de Roissy, Charles de Gaulle. On est devenu propriétaire de nos bureaux, qu'on a équipés convenablement, et on accueille nos 380 clients, et on a à peu près 20 salariés dans mes effectifs. Alors, dans vos effectifs, est-ce que vous engagez tout de suite les Congolais, ou vous engagez les Blancs? En fait, moi, je donne l'opportunité parce que personnellement, j'ai eu du mal à avoir des stages. Vous savez, c'est pas facile. Vous êtes noir, vous êtes maghrébin. Quand vous envoyez vos CV, c'est une réalité. Hein. Mon ami Laurent Baye, lui, il est blanc, c'est son pays d'origine. Donc lui, quand il envoie 10 CV, il a 7 réponses. Nous, on doit en envoyer 100 pour éventuellement avoir une réponse. Ça peut vous décourager, mais quand vous avez cette volonté-là, parce que, comme je l'ai dit, comme j'ai fait du sport de haut niveau, quand vous êtes parmi les meilleurs dans le sport, j'ai toujours gardé cette niaque-là en me disant, ben tiens, je ne lâcherai pas, je sais pourquoi je suis venu au monde, peu importe que ben, les portes se ferment là et là, je sais qu'il y en a une qui va s'ouvrir à un moment donné. Ben, j'ai eu quand même l'opportunité de faire ce stage-là, et je me dis qu'aujourd'hui, grâce à mes différentes entreprises, ben, ça me permet de donner la possibilité aux... Aux Africains, forcément? Aux Africains, ils ont cette occasion, mais je donne l'occasion à tout le monde. Vous mais, n'avez pas de discrimination? Non, du tout. Mais comme je suis à la tête d'une entreprise, je peux me permettre de donner la chance aux Africains là où, eux, ils n'avaient pas la possibilité dans les autres entreprises. Ok, la nationalité qui... vous engagez plus qui, exactement? Quelle nationalité... J'ai des Marocains, j'ai 3-4 Marocains, j'ai 4 ou 5 Français, j'ai embauché un Béninois, j'ai une Congolaise qui est avec moi, Sénégalaise, en stage je prends des Ivoiriens, des Maliens, donc dès qu'il s'agit de stage, parce que les stages ça permet quoi, une fois que la personne finit son stage, elle a la possibilité de valider son diplôme, et souvent c'est un frein. Donc, on a même des Congo-Brazza par rapport aux autres entreprises. On a des Congolais de Kinshasa dans le domaine de bâtiments et puis dans le domaine du nettoyage, des Haïtiens. Et vos entreprises tournent autour de quoi exactement? Là, par exemple, c'est la comptabilité. Et les autres, c'est quoi? En fait, il y a première entreprise qu'on a créée, c'est le cabinet d'expertise comptable. Okay. Donc, on fait à la fois la tenue de comptabilité. C'est nous qui faisons les fiches de paye. C'est nous qui gérons vraiment tout ce qui est l'obligation sociale des entreprises et fiscale. Et puis, on fait de l'audit. Ça, c'est la première partie. Au fur et à mesure qu'on a avancé, madame travaillait dans un grand groupe d'assurance qui s'appelle jusqu'à présent Generali. Donc, c'est un groupe italien. Et un jour, il y a un client qui m'a intéressé en me disant « Écoutez, je souhaite vendre mon entreprise de nettoyage qui a été créée en 2007. » J'ai intéressé madame. Je lui ai dit « Tiens, tu es en tant que salarié, tu es cadre, mais est-ce que ça t'intéresse qu'on rachète cette entreprise-là ?» pour pouvoir que tu démarres autre chose. Et madame, elle n'a pas hésité. Elle m'a dit, ok, je vais démissionner de là où je suis depuis 4-5 ans. Maintenant, même 10 ans, pardon. 10 ans, elle a fait dans cette grosse boîte-là pour venir gérer cette première entreprise de nettoyage. D'accord. Voilà, donc on a une entreprise de nettoyage qui date de 2007. Et après, derrière, parce que c'est quoi ma conception? Moi, j'ai... La maîtrise, en étant modeste, hein, la maîtrise de tout ce qui est gestion, finance. Et j'ai fait en sorte de créer des entreprises avec des personnes qui ont la technicité. Donc je me dis, ben aujourd'hui, M. Bossembe maîtrise tout ce qui est médias, mais est-ce qu'il maîtrise tout ce qui est finance et comptabilité, communication, marketing? Non, ben, je vais donner cet apport-là, on s'associe et on crée ces affaires-là. Donc j'ai eu à créer une entreprise de bâtiment. Avec qui? Avec un oncle qui travaillait dans une société française depuis plus de 15-20 ans. Il avait l'expérience, mais malheureusement, il était pour ma part, c'est mon oncle Didier, il n'était pas payé à sa juste valeur. Pour vous dire, il dégageait facilement plus de 10 000 dollars semaine. Donc dans le mois, ça faisait minimum 40 000 dollars. Or, lui, il était payé en net dans sa poche, même pas 2 000 dollars. Donc je lui ai dit, mon oncle, avec l'expérience que tu as, ça suffit qu'à un moment donné, on soit un peu exploité de gauche à droite. Je lui ai dit, ben tiens, on va créer notre entreprise de bâtiment. Tu viens, on le crée. Moi, je veux mettre le nécessaire pour qu'on puisse avancer ensemble. Et donc, à l'intérieur de cette entreprise-là, lui, il est spécialisé dans tout ce qui est toiture.
J'ai un grand frère, un grand cousin. Lui, c'est Monsieur Ferraillage. Mm. Donc, j'ai essayé vraiment de prendre toutes les têtes qui maîtrisent leur métier. Mm. Et moi, je suis celui qui gère, qui est dans la gestion de ces entreprises-là. Et comment vous faites ? Ça ne vous monte pas ? Ça ne vous surpasse pas ? Ça ne vous dépasse pas ? Non, ça ne me dépasse pas parce que je pense que je suis prédestiné à faire ces choses-là, en fait. Je travaille énormément, des 12 heures, 13 heures par jour, 7 jours sur 7, même en étant là actuellement à Kinshasa. Mm. Je gère les choses à distance. Donc il n'y a pas de problème. Est-ce que ça fait de vous un millionnaire? Si ça fait de moi un millionnaire, vous savez, millionnaire, des fois vous pouvez être millionnaire sans avoir le million en cash. Exactement. Quand fait d'ailleurs le bon millionnaire. Voilà, c'est ça. Quand vous n'avez pas le million en cash qui dort en dessous du matelas, comme ça c'est le point qu'on pourra aborder plus tard, je vais inciter quand même les millionnaires, les Congolais qui ont du cash à pouvoir investir. Parce que si votre argent dort sous le matelas et que vous ne mettez pas dans l'activité économique, vous ne créez pas de la richesse, c'est un tort. Donc, si on peut dire que je suis millionnaire, dans les affaires, dans tout ce que j'ai, je pourrais vous répondre oui. Pourquoi ? Parce que j'ai investi dans l'immobilier, comme je vous ai dit par rapport au bureau. J'ai investi dans quoi ? Par exemple, mon cabinet qui pèse 1,6 million. Il faut savoir qu'en France, le cabinet, s'il doit être revendu, c'est un coefficient 1. Il peut être revendu à 1,6 million, le cabinet. Mmh. Si vous êtes deux associés ou trois associés, vous partagez à peu près cet encaissement-là. Donc, si on doit parler en millions, je suis, oui, un potentiel millionnaire avec les affaires qu'il y a. Très l'argent bien. Est bloqué dans ses activités. Alors, parlons-en du Congo maintenant. Oui. Parlons de la République démocratique du Congo. Pourquoi les investisseurs congolais ne sont pas aussi outillés? On a comme l'impression qu'ils ont l'argent, oui. Mais ils ne sont pas outillés pour finalement servir de l'argent, créer des richesses. Qu'est-ce qui bloque ? L'information ou les conditions de... Au fait, moi, pour ma part, il y a plusieurs choses. Il y a déjà les conditions, bien sûr, mais c'est surtout la formation. Mmh. Il faut absolument, pour ma part, qu'on développe l'esprit d'entreprendre. Mmh. Vous voyez, ça, si on développe ça dans la tête de tout citoyen congolais, parce que certains l'ont... Mais ils l'ont à un niveau très bas, c'est juste pour vivre. Quand on voit les mamans, nos jeunes sœurs très courageuses qui se lèvent à 6h du matin jusqu'à 22h, elles ont l'esprit d'entreprendre. Mais malheureusement, elles se disent, on fait ça juste pour la consommation. Exactement, subvenir aux petits besoins. Ça fait 14 ans qu'il y en a qui font ça. Oui. Je connais une dame qui a dit qu'elle a fait 16 ans en train de vendre la braise. Oui. Elle te dit que la braise, tant que ça va dans la langue, elle n'a pas de diplôme, elle n'a pas... Mais elle n'avance pas. Elle n'avance pas. Pourquoi ? Parce que le faible bénéfice qu'elle tire, les marges qu'elle tire de ça, ça couvre juste ses frais de fonctionnement, ses frais de... On va dire son vécu. Son vécu, au fait. Il n'y a pas plus. Or, quotidien. Normalement, on doit organiser les choses. On doit avoir des établissements financiers comme les banques puissent soutenir cette dame-là. Aujourd'hui, cette dame-là, elle peut emprunter, admettons, 2 000 $, 3 000 $. Elle pourra être tendre son affaire et pouvoir multiplier x2, x3, même x10 les marges qu'elle va tirer de là, à partir de là, elle pourra créer des emplois. Donc, il y a besoin, à un moment donné, que les gens rentrent et trouvent le financement face à eux. Donc, c'est une question de formation. C'est une question de formation, premièrement, et question de mise à disposition des fonds. C'est-à-dire que d'un côté, on a des gens qui ont de l'argent, n'ont pas d'idée. Et de l'autre, on a des gens, parce que là, j'ai fait une connaissance des jeunes Congolais qui ont leur start-up. C'est extraordinaire ce qu'ils font. Mmh. Je n'en parle pas aujourd'hui. Je vais donner peut-être quelques détails. C'est de la géolocalisation. Ils sont capables de faire arrêter le moteur à distance avec leur téléphone. C'est-à-dire que nous, on a toujours des problèmes avec les chauffeurs. Vous lui donnez $100 pour mettre de l'essence, le chauffeur, il va vous mettre $40, il met $60 dans sa poche. Mmh. Ils ont inventé un système pour pouvoir détecter le niveau d'essence dans le véhicule. Vous avez l'information avec votre téléphone. Okay. Vous avez l'itinéraire que le chauffeur y fait avec tous les détails. S'il dépasse une certaine zone, vous pouvez le bloquer avec votre téléphone. Il ne peut plus démarrer le véhicule. Peu importe le véhicule. Moi, je vous le dis, ils m'ont fait le test devant moi. J'étais mais stupéfait. Donc je vous dis, ici au Congo, il y a des génies. Maintenant, mon objectif principal, là c'est dans le cadre business, faire rencontrer les génies qu'on a ici, que ce soit des hommes comme des femmes, avec les gens qui ont les moyens. Parce qu'aujourd'hui, au Congo, il y a beaucoup de millionnaires cachés. Il y en a énormément. Mais cet argent-là, on place ça à la banque pour avoir à peu près les 8% d'intérêt, ou soit on fait des constructions. Entre-temps, il n'y a rien d'autre. Mais est-ce que les conditions sont bonnes ? Parce qu'on a parlé tout à l'heure,
au niveau des banques, il y a une question de prêt. Il y a une question de taux directeur. Les banques vont vous dire que nous ne pouvons pas vous offrir de vous donner de crédit à telle hauteur. Il faut donner de la parcelle, il faut donner un bien exorbitant. Mais si les gens n'ont que le potentiel et qu'ils n'ont pas le moyen, le capital, comment ils font pour faire ça? Mais c'est ça, parce que c'est à un moment donné, il faut une volonté politique. Dans ce cas-là, on va créer une banque d'État d'investissement, clairement. En créant ça, là, c'est l'État qui gère et c'est l'État qui va financer. Parce que l'État n'a pas l'obligation absolument de créer de bénéfices. En mettant de l'argent entre les mains des gens sérieux, bien sûr, il faut des commissions. Parce que je sais un peu comment ça se passe des fois dans les commissions. Ce n'est pas à la hauteur. Il faut absolument responsabiliser les gens qui travaillent dans les commissions, faire appliquer la loi avec l'État de droit que le président prône, parce que c'est très important. Dès lors qu'il y a un État de droit, chaque personne dans sa position à son poste, devra rendre des comptes. Donc pour moi, mettre une banque d'État d'investissement qui va permettre à ces potentiels millionnaires, ces potentiels créateurs d'emplois... Mais ça sert à quoi la différence avec l'FPI? L'FPI est une... on va dire que c'est un fonds de promotion industrielle, quelque chose comme ça. Mais il faut se poser la question, est-ce que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas? Si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a des lacunes quelque part. Alors le problème n'est pas de créer une nouvelle chose, peut-être de la récréer. Mais peut-être, éventuellement, voilà, faire en sorte de que ben, si ça existe déjà, que ça fonctionne, que ça aille entre les mains des personnes qui ont vraiment la volonté de créer des entreprises. Est-ce qu'il y a un suivi qui est fait quand on finance une entreprise? Dites-nous, M. Muller, vous venez de la France, vous avez des entreprises qui ont marché en France, qui continuent à marcher. Comment ça se passe le modèle français? Comment il est constitué? Comment la France fait pour promouvoir les talents, les compétences, les idées des jeunes? Tout simplement, déjà, quand vous êtes créateur d'entreprise, vous avez déjà une bonne formation de base. Donc, on vous apprend à gérer une entreprise, comment gérer une entreprise. Et puis, comme vous êtes déjà habitué à avoir un compte bancaire, c'est pour ça, même en France, là-bas, je donne les mêmes conseils. Parce qu'en même temps, je suis coach en entreprise. Donc, je coach les dirigeants d'entreprise. J'anime une émission sur Africa numéro 1, Parlons entreprise, tous les mardis matins avec Phil Le Montagnard. Donc, je partage en fait ce savoir-là avec la diaspora africaine pour pouvoir maîtriser au mieux la gestion d'une entreprise. Quand vous gérez correctement votre compte bancaire personnel, dès lors que vous avez un projet de création, et vous allez aller voir votre banquier, il va déjà voir que, ah non, M. Bossembe gère parfaitement, il a l'épargne, parce qu'il faut savoir que le banquier adore qu'on fasse un peu d'épargne. L'épargne, c'est ça qui permet à la banque de pouvoir financer les différents projets des autres. Donc, quand il voit que M. Bossembe est déjà un bon gestionnaire, il va se dire, M. Bossembe dit son projet, il a envie, comme vous avez fait appel au financement pour votre télé. Normalement, il n'y avait même pas besoin de ça. Si le système bancaire fonctionnait correctement, M. Bossembe allait se diriger à la banque. Écoutez, j'ai besoin de 150 000 $ pour pouvoir financer ma télé. Il y a tant de matériel. Vous faites votre business plan. Vous apportez éventuellement quelques garanties. Vous aurez déjà eu cet argent-là. Oui, mais c'est le problème, c'est au niveau des garanties. Oui. Le problème, c'est au niveau des garanties. En fait, nous, les garanties, c'est quoi? On n'hypothèque pas tout de suite la maison. C'est simplement, vous êtes aux cautions solidaires de ce prêt-là. Là, actuellement, en France, par rapport à cette maladie Covid-19, les entreprises... comme les miennes, comme les autres, on a eu le droit à 25% de notre chiffre d'affaires de prêt. La garantie a été donnée par l'État français à hauteur de 90%. Donc on vous donne 100 000 €, l'État français garantit 90 000, et vous, sur votre dos, il n'y a que 10 000. Donc vous voyez qu'à un moment donné, c'est une volonté politique qui permet en fait les entreprises de pouvoir s'en sortir. Est-ce que notre État peut faire ça aujourd'hui? Aujourd'hui, financièrement, non. Soyons réalistes, c'est pour ça qu'on ne peut pas demander la lune au président de la République. La situation financière ne le permet pas. Quand j'entends le budget de l'État congolais, on est à moins de 10 milliards de dollars. On est à 4 milliards maintenant. Maintenant, à 4 milliards, il faut savoir que rien que l'éducation en France, on est à plus de 30 milliards d'euros. Rien que pour l'éducation. Donc, on est vraiment loin de tout ça. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il est important, quand vous faites vos émissions, rappeler, parce qu'on peut tout demander au président en 2 ans pourquoi il n'a pas fait ça. Mais il arrive, il trouve les caisses vides. Donc, il faut à un moment donné faire en sorte que les caisses se remplissent.
il faut aller fermer les robinets où l'argent ne rentrait pas. Le coulage de recettes. Mais carrément, il faut absolument... Mais tout ça, ça prend du temps. C'est vrai qu'on est impatient, mais il faut du temps. Il faut du réalisme. Est-ce que, M. Muller, quand vous regardez l'éducation des Congolais, est-ce que vous pensez que les gens sont... le système éducatif a répondu à cette question de fabriquer les créateurs d'emplois, ou vous pensez que le système éducatif nous a finalement bloqués dans un... dans une caisse d'être des demandeurs d'emplois, être des fonctionnaires et des salariés? En fait, pour moi, pour que les étudiants, à la fin de leur cursus, puissent se retrouver, il faut créateurs de richesses, il faut des entreprises, il faut des investisseurs. Parce que souvent, on parle des investisseurs. Ce n'est pas que des étrangers, il faut des investisseurs aussi en interne. Comme je vous dis, il y a beaucoup de millionnaires au Congo, mais au niveau investissement, c'est quasi nul. Il faut absolument inciter ces personnes-là à investir ici au pays, parce qu'un Congolais qui investit au Congo, l'argent reste au Congo. Oui. Quand les étrangers viennent, quand vous posez la question, est-ce que toutes les conditions sont réunies pour que les gens puissent s'en sortir, vous retourne ça en disant, mais vous voyez bien quand même que si les Chinois, les Libanais et consorts viennent ici, c'est qu'à un moment donné, c'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'eux, ils arrivent à se retrouver. Nous-mêmes, les natifs du Congo, on est là toujours à se plaindre en disant, mais il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, donc on ne peut absolument rien faire. Alors qu'eux font tout pour avoir ce que nous ne eux, pas. Ils font tout. Eux, ils viennent le faire. Ce qu'à un moment donné, je ne suis pas quelqu'un qui aime se plaindre, en fait. Il y a des difficultés, certes, on le voit, on le reconnaît, mais oh, on ne baisse pas les bras. Alors, la politique, qu'est-ce que la politique peut faire pour changer ces conditions-là? Vous pensez qu'elle peut faire quelque chose? En fait, pour ma part, nos chers politiques ont un rôle énorme à jouer dans les mises en place des choses. Et je pense que le président a bien senti la chose quand on parle d'état de droit. Moi, j'aime bien la notion où je peux faire confiance, mais il faut le contrôle. La confiance n'exclut pas le contrôle. Et qui dit contrôle, dit un état de droit. Chaque personne dédiée à un poste, que ce soit DG, ministre, doit rendre des comptes. Et souvent, les gens n'ont même pas réalisé que quand le président parle d'état de droit, moi, je suis surtout sur la libéralisation de la presse. Vous avez un rôle très important. Grâce à vous, aujourd'hui, les Congolais, même s'ils ne maîtrisent pas tout, ils ont accès à la politique. Ils commencent à comprendre un peu c'est quoi la politique, comment ça se passe. Grâce à vous, maintenant, les gens qui étaient cachés dans leur système un peu mafieux, grâce à vous, ils savent qu'aujourd'hui, ah, M. Bossembe peut envoyer son enquêteur, il va dévoiler les choses. Et ça, c'est une bonne chose. Pour moi, la meilleure chose que le président a fait, avant même de parler de droit, c'est déjà vous permettre à vous, la presse, d'être libre. Ça, c'est aussi une excellente chose, parce que vous êtes aussi les garants de cette nouvelle-là qui est à apporter aux citoyens congolais. Par ce biais-là, l'information arrivant, l'état de droit va se mettre en route. Voilà, on sait que tel ministre ou tel DG n'a pas rempli ses obligations, mais automatiquement, il devra répondre devant la justice. Alors, est-ce que vous avez vu les jeunes Congolais ambitieux ou c'est les rêveurs? Vous savez, souvent, il y a un peu cette guéguerre-là entre la diaspora qui pense qu'on arrive de là-bas, nous sommes les meilleurs, on va imposer un peu le savoir à l'occidental ici. Moi, je ne suis pas dans cette mentalité-là. Je peux vous assurer que je suis agréablement surpris de voir des gens qui ont étudié à 100% ici au Congo avoir ce talent-là. En commençant même par vous, parce que de France, je vous suis à chaque émission. Je peux citer quelques noms que je peux voir, que ce soit même l'ancien ministre, M. Mende, c'est quelqu'un de très talentueux. Quelque chose est noir, il est capable de vous le faire avaler en blanc. Donc, vous voyez quand même qu'il y a des gens qui ont vraiment matière. Maintenant, il faut que cette matière-là soit utilisée dans l'intérêt général, dans l'intérêt du pays. Vous prenez le ministre des Finances, quand vous l'écoutez, vous analysez ce monsieur, il a fait tout le parcours nécessaire pour venir à ce poste-là. C'est quelqu'un qui a la matière. Mais maintenant, cette matière-là, est-ce que, quand vous regardez dans la miroir, est-ce que vous avez utilisé ça pour l'intérêt du pays, que le pays avance ou non? Quand vous regardez, par exemple, son Excellence, Madame Getty Panoupane, qui est directrice adjointe du président, c'est une dame de très grande qualité. Pour pouvoir approcher cette personnalité-là, je me suis rendu compte qu'ici, au Congo, on a vraiment des gens compétents. Maintenant, cette compétence-là, on doit faire en sorte de le mettre dans l'intérêt du peuple. Comment se fait-il qu'on soit un peuple qui, en même temps, travaille, en même temps, qui a des idées, en même temps, qui a des intellectuels? Oui. Mais à la fin de compte, on a ce pays. Mais pourquoi? On l'a dans cet état. Hey, c'est simplement l'amour du prochain. Vous savez, c'est juste ça qui manque au Congo. Le président aussi l'a dit. Il a dit à un moment donné, il faut qu'on aime son prochain. Il faut qu'on ait envie d'aider l'autre. Moi, je ne peux pas me permettre d'avoir plus d'1 million, 2 millions et je vois des gens souffrir. Vous savez, pour
donner une entrée scolaire à un enfant, c'est 25 dollars, 30 dollars. Quelqu'un qui est multimillionnaire, il ne peut pas en 20 000 dollars faire plaisir, soulager quelques familles. Si chacun avait cette vision-là, ça serait déjà une bonne chose. Si chacun pouvait, à un moment donné, construire une école, il y a certains, ils ont 15 maisons, ils ne vivent pas dans ces maisons-là. Vous pouvez vendre une maison, construire une, deux, trois écoles pour la nation, parce que nous... Un peu comme vous, vous avez fait. Exactement. À Bibois, vous avez une école. À Bibois, il y a une école qui est en phase de finalisation. Donc, on le finit là. Donc, il y a même M. Dalimonka qui est chef d'entreprise en tant qu'électricien. Il vient 2 mois au Congo pour pouvoir installer toute l'électricité dans cette école-là. L'objectif, c'est quoi? C'est que nous, on a eu l'opportunité. Parce qu'à un moment donné, quand vous avez la faveur de Dieu, il faut savoir le rendre aux autres, en fait. Et moi, je me suis dit, Dieu m'a fait grâce. Je suis né à Ndjili, je me suis retrouvé à Paris. J'ai eu l'opportunité de faire des études sans payer même un dollar, faire des études supérieures et avoir un peu maintenant les entreprises, pouvoir vivre décemment. Pourquoi ne pas rétribuer un peu à mes frères et sœurs qui sont dans le besoin? Donc on a décidé, avec les membres de l'association de l'ONG Angèle, construire une école à Bibois, parce que les enfants mettaient à peu près, faisaient 5 km à pied pour aller à l'école. Moi, cette école-là, j'ai commencé à la construire avant même que le président vienne au pouvoir et décider même... De la gratuité. Carrément. Mais moi, c'était déjà mon optique. Parce que moi, j'ai eu à bénéficier de cela au niveau de l'Europe. Donc, cette école-là, normalement, doit ouvrir ses portes à la rentrée prochaine. On a eu juste du retard à cause de la Covid-19. Et c'est quoi? Nous, on va mettre à disposition l'école et le matériel. On est en train de signer un partenariat avec le vice-ministre de l'éducation, M. Didier. Oui. Voilà, donc on met ça en place. Donc l'État est prêt à accompagner. Je pense que c'est une bonne formule que, mettons la diaspora ou même les autochtones qui ont les moyens, construisez des écoles. Mmh. Et de l'autre côté, vous signez un partenariat avec l'État qui va prendre en charge les salaires des professeurs pour permettre d'aller très vite dans cette gratuité d'école et qu'on multiplie au fait les structures. Mais qu'est-ce que vous allez faire pour les jeunes directement? Pour les jeunes, oui. Pour ma part, il est important. Je me suis rendu compte de cette lacune-là qu'il y a sur l'utilisation de l'informatique. On est vraiment dans cette ère de numérisation de l'informatique et je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui sortent licenciés et malheureusement n'ont quasiment jamais eu accès à l'outil informatique. Or, c'est un tort parce que tout se passe, les prestations de services. Moi, je suis ici au Congo, je travaille à distance, j'ai accès à mon ordinateur sur Paris parce qu'à un moment donné, tous les moyens sont disponibles. Donc, j'ai décidé quoi? J'ai proposé qu'on mette en place, l'objectif, c'est équiper chaque école publique de la RDC d'une salle informatique au moins minimum avec 20 ordinateurs portables. Pourquoi portables? Parce qu'on sait que les ordinateurs portables peuvent garder de l'énergie pendant 2-3 heures. Des ordinateurs portables avec un rétroprojecteur pour que le professeur qui va enseigner l'informatique puisse projeter les cours. Et de l'autre côté, équiper cette salle-là d'une possibilité d'avoir de l'énergie. Vu qu'on a un problème ici au Congo jusqu'à présent de l'énergie, en mettant des panneaux solaires avec les batteries qui vont avec, ça nous permettra au fait que dans cette école-là, qu'on puisse avoir, je fais l'appel aux anciens étudiants, parce que seul, on ne peut pas tout faire. Je fais appel aux anciens étudiants de vous rassembler. Quand vous savez que vous êtes passé à l'Unikin, il n'y a pas de salle informatique, si chacun met 50 dollars, 100 dollars, vous créez ces budgets-là. Moi, alors, c'est une renaissance d'esprit, en fait. Oui, c'est nécessaire. Seul, on ne peut pas arriver. Il faut que chacun puisse contribuer à cela. On est capable de donner de l'argent à payer des pères de Weston. On peut aussi enlever un 50, un 100 dollars ou un 100 euros, contribuer. Si tout le monde pouvait faire la même chose, on réglerait beaucoup de problèmes. On réglerait beaucoup de problèmes, mais il faut qu'il y ait cette initiative-là et moi, je suis prêt à le commencer. Je veux le commencer à l'école laïque à Ndjili, là où j'ai débuté. Donc, je vais commencer, normalement, si ça se fait, ça va être en janvier ou en février. J'aurai l'occasion d'appliquer déjà pour cette école-là, EP4 Ndjili, pour équiper cette école-là d'une salle informatique, pour permettre à nos jeunes frères et sœurs d'avoir accès à l'informatique. Ça, c'est la première étape. Et je souhaite qu'on puisse honorer pour l'instant
ben les meilleurs puissent avoir un ordinateur seul à la maison. Parce qu'il faut donner la possibilité à ces meilleurs-là de pouvoir, quand ils sortent de leur cursus, ils finissent le cursus, pour maîtriser l'informatique. C'est très bien parce que moi, je vais aller à l'Équateur, oui. Je crois, le mois prochain. J'irai pour effectivement faire la même chose, donner à ces enfants la possibilité de rentrer aux études. C'est une occasion pour vous le dire aussi. Ils ont aussi besoin d'ordinateurs. Donc, oui. Quand vous allez avoir peu d'ordinateurs, pensez oui. aussi à ces enfants-là. Tout à fait. Ils en auront besoin. Et eux ont besoin généralement plus de pirogues parce qu'ils travaillent, ils font la traversée de l'eau. Et l'année 2019, je crois que 2019, ils ont perdu 39 enfants qui sont tombés dans l'eau, noyés. Oui, j'ai vu. Ouais. Vous avez vu les vidéos ? Bien sûr. Ouais. Alors, on a vu ça, on est dans ça. Et nous sommes donc en train de chercher des moyens pour donner à ces enfants des pirogues assez élargies, pour leur permettre de pouvoir traverser de temps en temps. Donc, si jamais l'entreprise a besoin... Oui, combien ça coûte, par exemple, ces pirogues? Il faut oui. donner les tarifs, c'est très important. La grande pirogue, c'est 900 dollars. La grande pirogue. Vous imaginez 900 dollars. Seulement. Seulement. Moi, je le dis seulement par rapport aux gens qui ont l'argent. Justement, on le dit par rapport à ces gens-là. Parce que les gens qui ont l'argent, une personne peut en acheter 10 et pouvoir soulager la population. Vous attendez quoi? Vous imaginez qu'il y a des pirogues comme ça? Alors, mais vraiment à la limite comme ça? Et il y a 10 enfants, 15 qui sont dans cette pirogue-là. C'est pas possible. C'est-à-dire la moindre vague, ça tout tourne. Part. Oui. Et les enfants ne meurent pas parce qu'ils ne savent pas nager, parce qu'ils savent nager. Oui. Mais parfois, ils meurent parce qu'ils ont beaucoup, ils se sont battus avec de l'eau, mais ça n'a pas marché, ça les a emportés. Tout à fait. Vous savez, moi, j'estime que j'ai la faveur de Dieu. On peut faire des études, des voies, et ne pas s'en sortir. Il y a plusieurs avocats. Tous les avocats ne gagnent pas la même chose. Quand nous, on a la faveur de Dieu, Dieu nous demande qu'on puisse faire redescendre exact. Cette faveur-là dans les mains de ceux qui manquent, en fait. Pour moi, c'est une science exacte. Si je suis arrivé à ce niveau-là, c'est parce que j'ai toujours appliqué ce précepte-là, en fait. Est-ce que vous comptez faire le tour du Congo aussi, ou vous allez vous limiter à Kinshasa? En fait, quand vraiment l'objectif, que ça soit dans tout le Congo. On commence à Kinshasa, là où j'ai un peu plus de maîtrise. Vous savez, je suis parti à l'âge de 8 ans. Déjà, à Kinshasa, je ne maîtrise pas encore très bien. Vous êtes rentré pour la première fois quand? Je suis parti et je suis en 2000. Je suis venu ici en 2000 okay. et je suis revenu après, quelques années après. Mais là, maintenant, je commence à revenir fréquemment. Pourquoi? Parce que j'ai commencé maintenant à installer les entreprises. J'ai commencé d'abord à installer l'ONG. Angèle, vous avez en 2015. Une ONG. Oui, en 2015, je l'ai installé ici. Ça s'appelle comment l'ONG? ONG Angèle. Donc, on a fait plusieurs actions. On a offert, par exemple, je crois en 2016, 1000 tenues, 1000 uniformes aux enfants avec les cahiers. J'ai vraiment ce souci-là d'éducation, en fait, parce que je me dis, c'est vraiment la base de pourquoi tout. Pourquoi l'éducation vous intéresse autant? Parce que c'est la base, au fait. C'est ça qui fait la femme, c'est ça qui fait l'homme, au fait. Quand vous êtes éduqué, on ne peut pas vous manipuler. Quand vous avez la tête, on ne peut pas jouer avec vous, au fait. Est-ce que en France, oui. où vous vivez, est-ce que vous n'avez pas un collectif de gens qui peuvent se battre pour avoir des livres? Vous savez, si vous faites un tour dans votre école où vous êtes allé, vous risquez de trouver les livres avec lesquels vous avez étudié. Ce sont les mêmes livres aujourd'hui qui datent de 15 ans, 20 ans. Ce sont les mêmes livres. Moi, par exemple, pour ne parler que de moi, lorsque je suis allé à l'Équateur, lorsque je suis allé à Boma, je suis allé qu'on appelle ça Lubumbashi, j'ai rencontré des enfants qui m'ont parlé de ce monde merveilleux. Ce monde merveilleux, moi je l'ai lu quand j'étais tout petit. Oui. Alors c'est le même livre, la même édition. Je me pose la question, donc, la science s'est arrêtée ici ou comment on fait? En fait, pour moi, toutes ces choses-là, on peut même les avoir gratuitement. Oui. Le grand problème qu'on rencontre jusqu'à aujourd'hui, ça me coûte, ça coûte à l'ONG Angèle de l'argent, c'est la douane. Ou personnalité juridique ici au Congo, pour éventuellement rentrer le dossier pour avoir les exonérations, c'est très compliqué. Aujourd'hui, c'est la douane. On peut collecter le maximum de bouquins, même des ordinateurs, parce que là-bas, au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, les entreprises changent leur matériel informatique. Je peux récupérer, je peux avoir, mais comment le ramener ici? Un conteneur de 40 pieds vous revient en gros à 20 000 dollars. 20 000 dollars? 20 000 dollars. Peu importe le contenu. Peu importe le contenu, en moyenne, il faut mettre dans la tête les frais d'envoi de France et le dédouanement ici. Il faut mettre en gros 20 000 dollars. Donc, que ce soit des livres, que ce soit des machines. Que ce soit des machines, il faut vous attendre à cette tarification-là. Voilà, alors, moi, je profite de votre émission que je souhaiterais à un moment donné qu'on donne les exonérations aux associations, aux ONG qui travaillent dans le sens de la population. On les a donné, monsieur Muller. Oui. Ces entreprises, on a donné à des. On a donné de. Comment on appelle de prêts, je veux dire des exonérations. Mais puis après, ces gens-là se sont retournés.
Oui, mais c'est pour ça qu'il faut... Oui, ils ont vendu les exonérations aux politiciens, ça devenait compliqué. Ou alors on donne à M. Muller une exonération, mais on se rend compte que l'exonération de M. Muller utilise pour faire entrer des chaises au pays, alors que c'était pour des livres, c'était pour des machines, mais vous faites entrer des chaises, vous faites entrer des médicaments. Je comprends tout à fait, c'est pour ça qu'il est important d'avoir un état de droit. Exact. Voilà, si les gens ne se respectent pas, ne respectent pas leurs engagements, il faut que l'État congolais leur fasse respecter, en fait. Simplement ça. Très bien. On va terminer, il nous reste 8 minutes. Je voudrais qu'on aille dans des petites questions qui touchent le Congo directement. Si vous rencontrez le président de la République, parce qu'il vient d'avoir une majorité tout à l'heure, qu'est-ce que vous lui diriez finalement? Que diriez-vous au président? Premièrement, qu'il fasse quoi pour changer ce pays? Il est déjà sur la bonne voie. Je pense qu'il a des très bons conseillers qui sont en train de lui montrer le chemin. Parce que je comptais d'abord déjà le féliciter. Parce que j'estime de loin comme ça, je ne connaissais pas le président. Je ne le connais pas encore personnellement. Mais je ressens en lui la bonté du cœur. Et ça, c'est très important. Quand quelqu'un a l'amour du prochain, c'est la base, au fait, de tout ce qu'il va construire pour le Congo. Il y en a qui l'ont insulté. Il y en a qui n'ont pas reconnu en lui le président qu'il est. Mais... il a commencé là, il va aller encore plus haut. Moi, honnêtement, j'ai confiance parce que moi, je regarde les actes. Je suis du domaine du chiffre, je suis pragmatique. Je regarde, j'entends les discours, mais je regarde chaque acte qui est posé par la personne. Quand vous parlez, par exemple, ces histoires-là, je ne vais pas rentrer dans les détails, que sa présidence a multiplié par 2, par 3 le budget. Je vais vous donner un exemple simple. Quand vous êtes en train de séduire une femme, vous ne dépensez pas plus que quand vous avez déjà votre femme à la maison, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, le président Fatshi, je me permets de l'appeler comme ça, a simplement fait quoi? Il devait restaurer la diplomatie partout dans le monde. Qui dit restaurer, il faut dégager du budget. Oui, il faut dépenser. L'ancien président, M. Joseph Kabila, n'avait pas besoin de faire ça. Lui, 18 ans, il était déjà assis dans cette position-là. Le nouveau président arrivant, vous ne pouvez pas comparer déjà les budgets. Premièrement, parce que l'autre, il est dans l'obligation de s'installer. Il est dans la conquête. Dans la conquête. Quand un homme est dans la conquête, il dépense 10 fois plus. Quand une femme sait qu'elle va être, elle va dépenser plus, elle va se faire la plus belle possible. Donc, si on analyse simplement comme ça, sans rentrer dans les détails, il y en a un qui était déjà à maturité et l'autre, il arrive en phase de séduction. Donc, qui dit séduction, dit investissement. L'autre point qui a posé problème, c'est qu'à un moment donné, on se retrouvait que le président actuel, il a dû s'entourer de conseillers parce qu'on est en coalition. On a vu quelques blocages qu'il y a eu sur le plan politique. S'il n'avait pas de conseillers, malheureusement, il n'aurait pas pu atteindre l'objectif qu'il a atteint aujourd'hui. Ce qui signifie quoi? On s'est quasiment retrouvé avec 2 gouvernements. C'est-à-dire que la présidence a dû embaucher peut-être plus de 40 conseillers pour pouvoir s'assurer que le travail soit fait au niveau du président. Donc, les comparaisons, il faut aller dans la réflexion. C'est maintenant qu'on va le voir. C'est maintenant qu'on va le voir comme il a la majorité. Mais là, c'est maintenant, exactement. C'est maintenant qu'on va le voir. Et c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, on ne peut pas comparer les budgets simplement en disant ben, il a fait exploser. Rentrer dans les détails, ça ne veut pas dire la même chose. Quand on est en phase d'investissement, une entreprise met énormément d'argent pour pouvoir créer, faire le développement du produit final. Et c'est ce que le président a fait. Moi, je le fais sur l'analyse, sur le plan finance, pas politique. Ok. Alors, aujourd'hui s'il faut que Kinshasa recommence, est-ce qu'il n'y a pas, je me dis toujours, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de créer une nouvelle banque, je ne sais pas moi, une banque d'investissement des Quinois, et puis une banque d'investissement des Louchois, que chaque province crée sa petite banque d'investissement pour ne serait-ce que pallier au projet des Quinois, ou des Louchois, ou des Gomatraciens. On peut créer une banque d'investissement carrément de la RDC et de là, il y a des antennes dans les différentes régions. Il y a des antennes, mais il faut mettre des gens compétents, les gens qui ont l'amour de la nation. C'est surtout ça parce qu'on peut tout créer, on peut mettre des milliards en jeu. Si les milliards sont dédiés à permettre aux créateurs d'entreprises de pouvoir développer leur business, mais ces milliards-là rentrent dans les poches des uns et des autres, ça n'ira pas. Donc, pour ma part, il faut créer ça, mais il faut mettre des commissions. Et ces commissions-là devront rendre des comptes. Ce n'est pas le cas. État de droit, justice. Des hommes bien. Voilà. Alors, on va terminer parce que là, je veux m'en vouloir si je ne vous pose pas cette question. Ouais. Un jeune qui a des idées, qui veut créer son entreprise, il est orphelin, il n'a pas de moyens, il ne sait pas où dormir, il n'a pas fait de bonnes études, mais il sent en lui un désir fort de monter quelque chose. Oui. Par où doit-il commencer?
Pour ma part, quand on veut créer une entreprise, il y a le minimum à faire. Il faut déjà commencer à travailler dans le domaine dans lequel vous voulez vous investir. Mais s'il n'y a pas de porte. C'est ça qui est difficile. Ouais. Pour ces jeunes-là, c'est très difficile. Donc, il faut créer les conditions. Il faut que les privés aussi s'investissent dans ça. Moi, j'ai ce souci-là en me disant, ben, si j'ai encore plus de moyens demain pour pouvoir créer des incubateurs qui vont permettre à ces jeunes-là, en venant frapper à ma porte en disant, Monsieur Dave Muller, j'ai ce projet-là, vous pouvez l'examiner. Est-ce que c'est porteur ou pas porteur? Si c'est porteur, on se bat pour trouver les financements. Si moi j'ai les financements, j'investis, comme je vais faire avec les jeunes que je vous ai dit tout à l'heure. Ils sont venus me voir il y a 3 jours, j'ai testé leur projet, je me suis dit, ok, on va lancer ce projet-là ensemble. C'est ça que je compte multiplier et faire en sorte. Le côté managériel de chacun d'entre eux. Oui, c'est important. Parce que les Congolais sont compliqués. Hein. Non, c'est important. Ouais. C'est pour ça que je parle de formation. Ouais. J'espère que dans les mois, les années à venir, pouvoir faire des conférences, pouvoir faire des formations. Parce que c'est mon métier, c'est ce que je fais aussi. Transférer un peu ce savoir-là à la population pour que les gens... Parce que ce n'est pas le tout d'avoir l'idée, ce n'est pas le tout d'avoir les fonds, mais il faut savoir gérer ça. C'est pour ça qu'on a installé l'entreprise Comday ici en France. J'ai installé le cabinet d'expertise comptable. Comday est géré aussi par madame et madame Ananjoli qui s'occupe vraiment d'installer les choses ici au Congo. Moi, j'ai confiance. Honnêtement, j'ai foi. C'est vraiment devenu l'ère de la RDC. Vous savez, même mes enfants nés en France, mon enfant, je lui achète un nouveau sac. Écoutez cette anecdote. Je lui achète son nouveau sac pour la rentrée scolaire. Le soir, il revient, il a marqué 00243 sur son sac. Ah, oh, quelle fierté. Quelle fierté. Ouais. Vous imaginez, c'est-à-dire que peu importe d'où on est, d'où on vient, le sang, la terre, ouais, le Congo vous appelle au fait. Mais je crois que c'est mieux d'ailleurs, comme vous, vous avez des enfants qui sont nés en France, si tout le monde pouvait avoir la même manière de dire à ses enfants, parce que ce n'est pas votre témoignage seulement, beaucoup de parents m'ont dit la même chose, qu'il s'est naissé une certaine lueur d'espoir dans ces enfants-là qui n'ont jamais vu le Congo. Jamais. Mais ils sont fiers de ça, en fait. Tout à fait. Moi, je suis venu avec eux, j'ai fait l'année dernière, j'ai ramené mes 3 enfants pour qu'ils viennent voir le Congo, pour qu'ils fassent les actions humanitaire, parce qu'on a fait quoi, l'action rapidement, j'ai pris mes enfants, on est parti dans les rues à Bandal, tous les vendeurs ambulants, les enfants, on a dit aujourd'hui on va multiplier par 2, par 3 leur vente, on reprenait la marchandise, on les distribuait aux autres enfants dans la rue, je leur disais prenez ça, ramenez ça à maman ou à papa, la personne que vous a envoyé, et le reste c'est pour votre journée de repos. Mais au moins leur donner ce symbole-là en disant mais je veux absolument que les enfants aillent à l'école. Je crois que je vais faire ça aussi, c'est une très bonne chose. Ouais. Si on pouvait faire ça tous, ce serait une bonne chose. Vraiment. Je vous en prie. Ça ne demande pas des grandes choses, voilà. Il ne faut pas attendre de devenir multimillionnaire pour tendre la main. Vous rencontrez dans le topo, c'est rencontrer les enfants dans la rue. Oui. Vous doublez. Je double carrément, je leur dis ça, c'est vous ramener à la personne et je récupère la marchandise pour éviter que la personne aille, l'enfant aille encore revendre et je prends cette nourriture-là. Vous donnez ça aux autres enfants. Aux autres enfants qui profitent de manger les gâteaux, l'eau, les cacahuètes et qu'on sort. Je vous enverrai une vidéo, je ferai ça. Ça sera avec plaisir et j'ai envie que chacun d'entre nous puisse faire ça et donner au moins une journée de repos à ces enfants-là. Très bien. Monsieur Muller, c'était un grand honneur de vous recevoir. Un grand plaisir. Dans l'idée que vous allez revenir cette fois-ci avec votre femme. Oui, bien sûr. Parce que la fois passée, c'était avec elle que vous étiez. Oui, tout à fait. D'accord. Je vous recevrai uniquement vous deux. Ok, très bien. Comme ça, les gens comprendront que... Tout à fait. Un couple peut aussi faire les affaires. Et on travaille merveilleusement bien ensemble. Parce qu'il faut casser cette idée que les hommes ont. Il ne faut jamais travailler avec sa femme. Non. C'est le plus grand piège qu'il faut. C'est faux. Il y a de jalousie, moi, je veux que ma femme, elle soit la plus puissante au monde. Parce que si elle est puissante, je suis puissant. Oui, mais maintenant les gens disent qu'il faut les laisser travailler dans une autre non, affaire. Non, elle peut être là, elle maîtrise les choses. Ouais. Demain, si je disparais, je n'ai pas d'inquiétude. Je sais qu'elle maîtrise de A jusqu'à Z de tout ce qui entoure le business familial. Vos cheveux blonds ne sont pas pour rien. Merci, je crois que ça sert à quelque chose. Oui, merci. Merci beaucoup, Monsieur Muller. Merci à vous, Monsieur. Mesdames et messieurs, ça a été un grand plaisir pour moi, un grand honneur. Je vous retrouve très prochainement. Prenons rendez-vous. Je recevrai le couple Muller. On aurait le conseil, le couple Muller. Non, c'est le couple Day, parce que Muller, c'est mon prénom. Ah, d'accord. Oui. Parce que nous, en France, c'est toujours inversé au fait. Ah, on commence par le nom de famille, on finit par le prénom. D'accord. Ici, au Congo, c'est l'inverse. Très bien. Voilà, le couple Day. Je recevrai le couple Day dans peu de temps. Oui. Ils reviendront. On va discuter avec eux comme ça. On va beaucoup plus entendre la femme, qu'elle nous dise un peu le rôle qu'elle joue auprès de son mari, mais aussi quelles sont les difficultés qu'elle rencontre. Peut-être qu'il y a des couples qui se disent ça aussi. Est-ce qu'on peut travailler ensemble et réussir une affaire? Moi, c'est Nangazou, il est qui? Moi, il est Nangazou, il est qui? On fait comment? Je crois qu'il y a des moments où il faut qu'on entende ça et ça permet peut-être que un à un, vous n'allez pas réussir, mais à deux, vous pouvez faire mieux.
Merci beaucoup. On se retrouve très prochainement. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse la RDC. Plus précisément, la carte de Washington. Malobi, maman Marthe, né. Maman Marthe, né. Malobi, shop, Africa Union. Mais toi, t'es un gnosso. Biloko, y'a un gnosso congolais. On y dit, ne cola yo, à ça, il s'agote. Bon, la Corée, la yo, on va bonne la yo. Bon, la zone, la yo, on va bonne la yo. Bon, la bonne la yo. Malobi, bio. Bio Africa Union et toi t'es tout à coup on a pas six mois sinon vous voyez pas y a sinon vous voyez rien mon pauvre n'est pas là dans le déca à notre camion vous voyez un boca y a fraise y a bio bio na bio bio na bio bio na mamba yo pour la mon canja isali parobi nous on voit y a rien et une couba paniwa parobi un tente isali ça tombe ça gagne je m'en vais toi y'a mis ça parobi ni à pas y'a pas tout y'a beaucoup beaucoup de ça gagne ça gagne gando de la langue na basse Loye Mbolo Nende Yalisa.